valorisé par des infrastructures de base qui ont permis au Congo d'être doté d'un port en eau profonde que vous avez vu dans le film, qui est l'un des plus importants de la région, situé à équidistance entre le Cap de Bonne-Espérance et le détroit de Gibraltar. De plusieurs aéroports aux normes internationales, permettant de couvrir les principales villes de notre pays. D'un réseau routier qui permet de relier les principaux axes urbains et une connexion avec les pays frontaliers. À ces infrastructures existantes, il faut ajouter un emblématique projet intégrateur très attendu qui sera réalisé sous la forme d'un partenariat public-privé. Il s'agit du futur pont route-rail reliant Brazzaville et Kinshasa en République démocratique du Congo, qui facilitera les communications entre les deux capitales les plus proches du monde et viendra accroître le flux des personnes, des biens et des services.